pour le concert Divertimento du 25 mai aux espaces V Roger Lefort de Villepinte. En résidant sur la communauté d'agglomération Terre de France, l'orchestre symphonique Divertimento se produit depuis 2 ans sur le territoire. Avec ses 70 musiciens, l'orchestre est dirigé par la prestigieuse Zaya Ziwani, une chef d'orchestre de renommée internationale. On a notre ancrage plus précis en Seine-Saint-Denis, parce que c'est aussi un choix de pouvoir être présent voilà, dans un département où la musique classique et particulièrement la musique d'orchestre est peu représentée. Et on a 2 résidences importantes sur la ville de Stains et également ici sur la communauté d'agglomération Terre de France. Et donc pendant toute l'année, on fait plusieurs concerts à la fois sur les villes de Tremblay en France, de Sevran et de Villepinte. Et donc pour nous, ça nous tient à cœur justement de sur ces territoires-là, de pouvoir être présents, de pouvoir présenter notre programme et puis également de pouvoir faire des séances en direction des enfants pour pouvoir justement présenter des concerts à dominante pédagogique et leur expliquer les différents instruments de l'orchestre, le fonctionnement, comment ça se passe également, pourquoi on programme certaines œuvres et qu'ils puissent comme ça découvrir notre univers. Quelques jours avant la représentation, l'orchestre a rencontré des jeunes des écoles primaires de Villepinte. Les enfants ont ainsi pu écouter la musique classique et découvrir les instruments d'un orchestre symphonique bien souvent méconnu, une des autres missions de l'Académie Divertimento. L'intérêt, en effet, c'est déjà, moi, je trouve, de les rendre curieux, parce que c'est important. C'est vrai qu'on est sur des territoires où on pense pas forcément que la musique classique a sa place, alors que moi, je trouve que, justement, il faut pas décider à la place des gens, mais au contraire, leur proposer, leur susciter chez eux, justement, un certain intérêt, une curiosité. Et puis, pour certains, après, c'est vrai qu'ils aiment bien voir cette musique, que c'est un monde qui est pas du tout éloigné d'eux, qui, au contraire, peut être accessible. Et c'est vrai que dans différentes villes où on a eu l'occasion de faire plusieurs séances de concerts éducatifs, on a vu qu'on en a intéressé certains qui après ont été s'inscrire en conservatoire. Et c'est un peu l'intérêt, c'est justement de pouvoir plus familiariser les jeunes avec les lieux culturels de leur ville. Retour sur le concert. Pour la deuxième partie de soirée, les jeunes des conservatoires de Villepinte, Sevran et Tremblay en France ont joué aux côtés de leur référent professionnel qui vient une fois par semaine à l'école pour leur apprendre un instrument. L'expérience est enrichissante, même si ce soir, le trac est bien présent pour chacun d'entre eux. Ouais, je suis stressée. Pourquoi ? Déjà, il y aura beaucoup de public et j'ai le stress devant le public. Je suis un tout petit peu stressée et je suis très contente. Mon rôle dans cette initiative et ce projet, c'est d'encadrer donc les classes de trompette et avec Pascal de trombone. Donc, ils sont 8 trompettistes et 4 trombonistes. Donc, on les encadre pour les préparer à ce concert. Alors, c'est un projet qui s'inscrit sur le long terme, puisqu'on va les avoir pendant 3 années. Et notre autre mission, c'est bien entendu d'avoir une initiation musicale autour des cuivres, mais c'est également arriver à les immerger un petit peu dans le monde de l'orchestre symphonique et arriver, comme ce soir, donc à essayer de les mettre dans une situation de concert, même si effectivement les partitions sont un petit peu arrangées pour ces apprentis musiciens. Quoi. On a fait le ré, le la, le fa, le do, le si bémol. Issus de Terre de France, ces flûtistes, violonistes ou trompettistes font partie de l'aventure Allegro Mosso. Le 30 mars dernier, ils se sont rendus à Aubagne pour un concert dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Samedi soir, c'était au tour des musiciens d'Aubagne de venir jouer à Villepinte. De belles rencontres pour ces jeunes ravis de montrer à leurs parents le fruit de leur travail. C'était génial. Beaucoup de répétitions et c'était cool. Et puis on s'est bien amusé et puis le résultat s'en ressent, j'imagine. Surtout que moi j'ai fait aussi le voyage à Aubagne, du coup c'était vraiment pour montrer aux parents et tous les téléspectateurs qui étaient aujourd'hui que c'est un peu ce qu'on a joué à Aubagne. Et ils ont de quoi être fiers. Les nombreux applaudissements en ont dit long sur la qualité et la beauté des morceaux de musique interprétés.